Mais pas seulement. Bonjour Andrea. Andrea, Nancy-les-Îles. C'est très joli ce nom. Oui, famille. C'est très beau, ça laisse rêver. Comme oui, ça. Ça vient de Saint-Malo. Ah, de Saint-Malo. Très, très joli. Oui, le corsaire des îles. Oh, d'accord. Oh là là, c'est un programme. D'accord. Si vous me regardez, vous voyez quelque chose de moi. Oui. Est-ce que je suis lisible? Oui. Ne révélez pas des choses trop intimes. Ah bon. Je vais tout raconter. La voyance est une vieille histoire avec la foire de Marseille. Combien d'années de présence ici? 22 ans. C'est le salon le plus grand de France. Le plus grand salon et de oui, France. Et oui, il est à Marseille. Et les gens sont très attentifs à ce salon. Ils aiment venir se faire dire la bonne aventure. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Ou est-ce qu'on la est passé aventure. À une autre dimension? Non, non, la bonne aventure. Moi, j'aime je trouve bien, que parce c'est que le c'est bon très romanesque. Mot. La bonne aventure, leur dire leur belle et bonne aventure pour l'année. Alors vous êtes voyante. Vous travaillez sur quel support pour vous projeter moi, dans l'avenir? Moi, je fais que de la voyance directe. Direct, ça veut dire besoin de rien, pas de papier, pas de stylo. Vous pas rencontrez de... la personne. Et ça y est. Il faut un contact, il faut quelque chose. Si on y a contact, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de me faire lire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Hervé? Ah, sur Hervé. Vous diriez de moi? Ah, ben moi je dirais déjà qu'on va déménager, là. Grand déménagement. Ah oui, 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 grand déménagement. Oui. Et puis une grande surprise, là, à partir de fin octobre, au niveau du travail. Au niveau du travail, oh. Ouais. Très important. Ah oui, des grands projets qui se mettent en route. Je mets déjà le trésor avec vous, c'est un sacré projet déjà. Je ne veux pas dire, mais... C'est une belle mise en route déjà, on est très heureux de ça. C'est la voyance, c'est l'astrologie aussi. C'est la voyance, c'est l'astrologie. Vous savez qu'on appelle ça une mancie, faire une mancie. D'accord. Donc on peut faire une mancie avec des coquillages, avec des cartes, avec des petits bouts de papier, avec du couscous, avec du sable. Eh oui. On peut faire avec tout, oui, avec tout. Ça s'appelle univers. Une mancie, un support. Voilà. Et ici au salon de la voyance, on retrouve à peu près tous les supports presque. Tous les supports. D'accord. Tous les supports. On a de l'hydromancie, la voyance dans l'eau. De l'hydro, oh, d'accord. Oui, hydromancie, tenez, avec les 2011 années régionales de l'eau, on est en là, plein c'est dedans. Raccord, c'est bien. Oui, moi, j'en connais qui voient plein de choses dans des liquides, mais c'est pas de l'eau. Oui. On s'en parlera une autre fois. C'est autre chose, oui. Vous avez aussi, un regard sur cette foire, mais ce coup-ci, ce regard, il nous a vraiment étonnés. C'est un regard très romantique. C'est adorable. En fait, c'est un coup de cœur, c'est ça, Andrea, un petit coup de cœur, un vous avez regard d'amour. Un regard d'amour. Voilà, parce charmant, que j'adore la foire internationale. Vous savez, c'est merveilleux d'être ici. Est-ce que c'est le premier sujet, pour revenir à la voyance une seconde, est-ce que c'est le premier sujet pour lequel on vient vous voir? Oui. L'amour. L'amour, toujours l'amour. Toujours l'amour. L'amour, c'est plus important que tout. Bah, sûrement, si on a l'amour, on va au bout du monde. C'est non vrai, c'est vrai. Ah, oui, c'est une bonne énergie. Dit, en tout cas. Donc l'amour, vous l'avez vu dans les allées du dans parc Chanot. Dans les allées vous. Du parc Chanot, des petits amoureux qui se promènent. Et puis je me suis dit, on va leur faire des cadeaux. Donc on a pris un partenaire qui est à Tignes en Savoie, la fameuse station, l'espace Killy. Ah oui, et puis bien. Je leur ai dit, offrez-moi des cadeaux pour les Marseillais. Faites-les monter en Savoie, c'est loin, mais ils vont y aller. Et donc alors, comment ça se passe ce concours? Il faut se présenter. Ils viennent dans le hall 3, ils viennent nous rencontrer à médiumité, remplissent un petit bordereau. Et vendredi, il y aura la remise des trophées de Chanot avec un jury. Alors ça, c'est sympa, il y a un jury. Un jury. Alors comment ça marche? On va poser des questions aux amoureux, c'est ça? Voilà, ils montent un par un sur scène, enfin en couple. On leur pose des questions. Alors depuis combien de temps? C'est une espèce de défilé d'amoureux, quoi. L'amour se met à défiler. D'amoureux. Comment est-ce qu'on aime bien? Vous avez déjà eu des surprises? Ça a déjà produit ce Oui, on a eu une demande en mariage. Une demande en mariage? Il y a 2 ans. Qui aurait pensé que la foire c'était de Marseille ferait aussi des belles histoires voilà, d'amour. Et ils reviennent nous revoir tous les ans et nous faire des bisous. On les avait envoyés dans les Vosges au film fantastique. D'accord. Et là, on les envoie à Tignes. Oui, ce où sont ils passeront de beaux voyages. Une semaine. De beaux prix. Hein. Ah oui, une semaine à l'hôtel. Ils vont s'éclater et vont voir la neige éternelle. Oh, ça va être elle est poétique, Andrea. Eh bien oui, Andrea, vous êtes venue à notre casting du Trésor pour faire la promotion de cet événement. On va vous confier une caméra et vous avez 30 secondes pour proposer votre événement à nos téléspectateurs. Les amoureux de Chanot, c'est à vous. C'est à vous. Alors, nos amoureux de Chanot, vous savez, les petits couples, venez me rencontrer au hall 3. À médiumité, on remplit un petit bordereau et vous allez voir, on va partir en voyage ensemble et je vous rejoindrai et on prendra le champagne avec modération. À bientôt. Bravo. Merci et bravo Nadia. Merci. Le temps d'une virgule et nous voyageons dans le parc Chanot à la rencontre de d'autres personnes. On se retrouve tout de suite.